ce matin, ça réorganise un peu les autos. Regarde, on s'est bien rangé. Ouais, c'est bien. On met une pomme ici pour le douanier. Voilà. On passe en Ukraine aujourd'hui. Ça va ? Ouais. Oh, ça va le faire. T'as planqué les dollars, tout. On va laisser des petites noisettes de temps en temps, là. Histoire qu'ils puissent nous les prendre. Puis voilà, ça va le faire. On fait route vers l'Ukraine là. Ça va? Ouais, ça se passe bien. On va aller filmer un cousin pour que ça aille plus vite. Ouais, je crois, ouais. Non, ils sont en train de ranger là. Il les range, on va y arriver. Hello. On est reparti. On est reparti. Allez, tout va bien, ça roule. C'est un peu verglacé comme on le disait tout à l'heure, mais on va y arriver. Il y a une épingle d'ailleurs, là tu peux l'annoncer. L'épingle. Bon, on est pas mal. La neige est blanche, il fait moins 10. On arrive à la frontière de l'Ukraine. Voilà, on était à notre pause déjeuner le long de la frontière ukrainienne, dans la zone où il y a quand même pas mal de contrôles le long de la frontière. Bien évidemment, on est tombé sur une patrouille, et puis c'est sympa, on a bu le café, tout ça, ils nous ont dit que la piste était fermée parce que trop de neige, et ils nous ont proposé de les suivre, et puis de faire un itinéraire off-road. Ils sont devant, donc on est tous derrière. Ils nous ont un peu traité de petits joueurs avec nos 4x4, donc on va voir comment ça se passe. Mais c'est sympa, une très belle rencontre en tout cas. Comme ça, hein. Est-ce que ta voiture...